que vous allez bien. Ça fait trop bizarre parce que là je filme avec mon iPhone. On est dans un nouveau vlog, mon tout premier vlog, attention. J'ai trop le seum, j'ai trop le seum parce que je peux pas filmer avec ma caméra. Pourtant j'ai une putain de caméra, genre j'ai une bête de matériel. Genre je suis photographe, j'ai un Canon R. Mais le problème c'est qu'il est hyper imposant. Et c'est un 35mm je crois. Oui c'est ça, c'est un 35mm et j'ai pas assez de recul en fait, je suis comme ça et déjà c'est super lourd et ça, ma tête prend toute la place de la caméra donc c'est franchement c'est pas possible. Je vais peut-être aller voir en magasin s'ils vendent pas un autre objectif qui irait dans le mien et pas trop cher. Ça à mon avis ça va être vraiment compliqué mais je vais quand même aller faire un tour au magasin donc je vais vous emmener avec moi. Et puis j'aimerais bien aussi aller à l'animalerie pour aller voir les petits lapins. Je sais pas si je suis encore prête à adopter un nouveau lapin. Pour ceux qui savent pas, j'avais un petit lapin bélier qui s'appelait Pilou et malheureusement bah, il est décédé suite à un accident. J'étais très triste, ça m'a beaucoup bouleversée et ça me manque, mon lapin me manque. Je sais pas si je suis à 100% prête. En fait je pense que c'est juste de la peur. J'ai peur de me rattacher, j'ai peur de comparer trop mon nouveau lapin avec, Pilou. J'ai peur du comportement que le lapin peut avoir parce que mon lapin, faut savoir que c'était une crème, genre c'était vraiment vraiment une crème. Il était trop mignon, hyper câlin, il venait vers moi tout le temps, enfin genre c'était mon petit Pilou. Ça m'a fait vraiment beaucoup de peine quand il est plus là. Je suis allée plusieurs fois en animalerie, je sais que c'est pas du tout le lieu qu'on conseille pour adopter un lapin mais chez moi il n'y a pas d'élevage et il y a un lapin qui est là-bas depuis déjà avant que j'aille chercher Pilou. Ça fait vraiment longtemps en fait qu'il est là et ils n'arrêtent pas quand je leur demande l'âge du lapin de me dire qu'il a 4 ou 5 mois mais c'est genre pas possible. Je pense qu'il est bien plus vieux surtout qu'il est très grand donc on va voir. Je pense que je vais refaire un tour, en plus je crois qu'ils ont reçu des nouveaux lapinous. Donc autant je vais voir mais je sais pas, j'ai de la peine de laisser ce lapin là-bas. Je vais me préparer et puis je vous reprends plus tard. Elle est belle ta vie à toi hein. Vous savez genre dans ma vie je suis une poisseuse. Il n'y a plus de chauffage dans ma maison. C'est-à-dire que là il y a 16 degrés dans ma maison et on se pèle le cul. Je me disais bien qu'il faisait hyper froid mais je pensais pas qu'il faisait 16 degrés. Il y a un monsieur qui va venir aujourd'hui pour s'occuper de tout ça en urgence. Mais je vais quand même y aller parce que en général ils mettent du temps pour venir. Donc théoriquement je devrais avoir le temps de faire tout ce que j'ai prévu. Je sais pas, bon on va essayer. Ok, là on arrive carrément à ma partie préférée, les appareils photo et accessoires pour appareils photo. C'est ma passion depuis toute petite et aussi mon travail, donc j'ai un peu de mal à ne pas toucher aux affaires, ce qui fait que... J'ai envie de chialer parce que c'est celui que je veux, mais ils sont en haut. Je suis pas trop prête à mettre ce prix là, sinon je sais qu'il y a celui-là qui est pas mal. Mais c'est pareil, 650 balles quoi. Je sais que c'est pas donné les appareils photo, mais quand même... Je vais peut-être faire une dinguerie. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je sais pas. C'est pas encore sûr. Il faut que je retourne chez moi, que j'aille chercher des papiers. Et au fait, j'ai remis mes lunettes droites. Voilà, parce que personne ne me l'a dit, mais en fait, elles étaient hyper pas droites. Malgré ma peur, je suis quand même allée en animalerie et il y a eu des nouveaux lapins qui sont arrivés. Encore une fois, je le précise, on n'a pas d'élevage ici. Et c'est pour ça que je me dirige dans ces enseignes-là. C'est pas du tout quelque chose que je recommande par contre. Je suis pas venue dans l'optique de prendre un lapin, mais peut-être que j'ai craqué en fait. Je viens régulièrement là-bas et à chaque fois je m'arrête au niveau des lapins. Du coup, je prends bien le temps de les observer. Un lapin, ça s'adopte pas sur un coup de tête, donc réfléchissez bien. Je viens de rentrer chez moi, mais je disais je devrais être contente en plus de ce qui va peut-être pouvoir se passer. Mais d'un coup je me sens triste. Et ça me fait souvent ça avec la dépression, genre d'un coup ça va et d'un seul coup comme ça, ben ça va plus. Dans ces moments-là, j'ai juste en fait envie de pleurer. Et je sais absolument pas comment gérer ça, c'est très chiant. Je sais pas, ça me le fait souvent et je vais essayer de manger quelque chose, plutôt de boire un petit jus protéiné et je vais essayer de faire tout ça et je vous reprends après. Du coup, je suis rentrée chez moi et j'ai fait un petit achat totalement imprévu et une rencontre trop chelou mais faut trop que je vous raconte. Mais avant de vous raconter, faut trop que je vous montre mon achat, ok? Je suis en haut de pyjama avec mon pull
pour sortir, il n'y a rien qui va, mais mon chauffage ne fonctionne plus et j'ai hyper froid. Mais c'est tellement n'importe quoi parce que t'es pas partie pour ça de base. Mais je suis sortie avec ça. Pas que me servir pour YouTube, ça va me servir pour mon travail aussi et pour ma vie perso avec ma fille et tout. C'est le moment du déballage et oui, je déballe avec une barrette pour les cheveux, oui, oui. Oui, c'est trop cool parce qu'il y avait plein de petites choses dedans. Il y avait un chargeur avec plusieurs batteries et un micro. Le micro, je le savais, mais je vais pas l'utiliser parce que bah, j'ai mon propre micro, donc j'en ai pas du tout besoin. Et je trouve le boîtier vraiment trop beau. Il est tellement léger, ça me change de fou par rapport à mon appareil à moi. Donc je suis vraiment contente. Je vais enfin pouvoir filmer des vidéos perso pour ma fille pour quand elle sera plus grande et j'ai trop hâte de faire ça. Mais comme je l'ai dit, ça va me servir pour plein de choses et pour YouTube aussi. Bon, je finis ce vlog le lendemain. Je vous avoue que j'étais hyper fatiguée le soir même et j'ai voulu un petit peu m'isoler de tout ça. Parlant de la rencontre de hier, c'était vraiment bizarre parce que la vendeuse, elle m'a parlé. On aurait dit qu'elle lisait en moi. Elle m'a demandé si j'allais bien. Elle m'a dit qu'il fallait que je m'éloigne des relations toxiques. Et elle m'a dit des trucs à mon sujet que c'était trop bizarre qu'elle sache alors que je lui avais pas dit. Et genre je lui ai pas parlé. En fait je la connais pas cette dame. À la fin j'ai fini en pleurs parce que c'était super perturbant. J'ai pas trop compris encore aujourd'hui. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Et quand je suis sortie du magasin, franchement j'étais épuisée comme si je sortais d'une séance de psy où j'avais pleuré tous les larmes de mon corps. Enfin genre trop trop bizarre. Ça m'a vraiment perturbée. Et bref, comme vous l'avez vu dans les images d'avant, j'ai adopté un lapin et je pensais pas du tout que j'allais le faire. Ça faisait plusieurs fois que je le voyais, donc c'était sûr que ça allait être lui. Pourtant j'en ai sorti un autre pour pouvoir le voir de plus près et en fait bah c'est lui quoi. J'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de vous montrer le bébé que je récupère dans une semaine parce que j'ai pas envie de le récupérer avant étant donné que je reçois ma fille ce soir pendant une semaine, donc j'ai pas envie qu'il soit perturbé. Je préfère faire les choses bien pour éviter qu'il stresse dès l'arrivée. De toute façon je vous ferai un petit vlog quand j'irai chercher, je pense que ça peut être cool. Je filme avec la nouvelle caméra, ça fait trop bizarre, j'avoue qu'il faut quand même avoir un petit peu de recul. Je changerai l'objectif par la suite mais là c'est déjà très très bien, c'est déjà mieux que ce que j'avais. Je pense que le son et l'image sont beaucoup mieux. Je suis très très contente, bref je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.